Tout le monde, je vais plus parler russe. Bill parle russe. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette classe 5, cours essai 3, à la méditation appliquée. Alors, nous allons faire tout ce que nous avons appris un peu plus pratique. Et vous pouvez vous préparer pour une courte méditation au début. Et je pensais que nous pouvons faire ça dans l'ordre. Et c'est un peu inconfortable pour moi de le faire en anglais parce que très souvent dans ma tête, ça va directement comme ça dans une langue différente. C'est pour ça que je vais essayer d'aller. De pas aller très vite pour ne pas être confuse. Alors, imaginez que vous avez déjà nettoyé l'espace, vous avez votre hôtel qui est prêt si vous l'avez. Et si vous n'avez pas un hôtel, par exemple, vous vivez avec votre famille qui pense que vous êtes dans une secte et c'est pour avoir un hôtel, vous pouvez l'imaginer dans votre tête. Juste asseyez-vous dans l'environnement paisible et imaginez que vous pouvez mettre un autel physiquement et mettre les offrandes sur l'autel. Pour les êtres sages et généreuses, bienveillantes. Et après, à cette étape-là, nous avons deux de six conditions, des six préliminaires pour la méditation. Et à ce point-là, nous devons fermer les yeux. Vous allez vous asseoir et fermer les yeux. Et nous allons faire on va aller à travers de la posture. Soit vous êtes assis sur une chaise ou sur un coussin. Vous pouvez vous asseoir en lotus ou demi-lotus, la position, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas faire mal à vos genoux. Vos yeux doivent être soit un peu ouverts, mais pas focalisés, ou ils peuvent être complètement fermés, ça c'est bien aussi. Votre corps il est tout droit. Imaginez que votre tête, la couronne de votre tête, elle va aller vraiment vers le haut et le reste de votre corps, elle va suivre. Votre épaule, elles sont au même niveau. Et votre menton, elle est parallèle au sol. Vos dents et lèvres sont dans la position naturelle. La langue elle légèrement touche les dents supérieures, votre palais dans la bouche. J'aime bien faire encore quelques ajustements comme un guéchement que nous avons appris. Je vais faire une petite sourire de Mona Lisa parce que ça va bloquer vos canaux sur le côté. Les gens qui font le yoga, elles connaissent. Et juste se forcer un tout petit peu vos abdominaux. Et aussi à côté de sur le haut de votre dos, juste au milieu de derrière vos épaules. Et nous avons une tendance habituellement de se pencher un tout petit peu vers avant. Et justement pour moi, ça va être d'aller au contraire, vers le derrière.
On n'est pas penché en avant. Maintenant, Et maintenant, commençons à faire les 10 respirations, commençons par expiration et vous allez vous concentrer sur votre expiration. Et inspiration, elle va être automatique. Et vous allez essayer de suivre votre mouvement de respiration. Imaginez que vous êtes assis sur le bout de votre nez et vous observez comme l'air le plus chaud il sort de vos narines et l'air le plus frais qui rentre dans vos narines. Et votre attention, elle est presque toute la concentration sur le bout de votre nez. On va faire 10 expirations et inspirations. Maintenant, demandez d'aller vers le refuge, réfléchissez, pensez à le problème que vous en avez dans votre vie maintenant. Les challenges que vous êtes en train de vivre. Et pensez que de quelle façon vous avez déjà essayé de fixer ces problèmes, mais ça n'a pas marché, cela n'a pas marché. Ramenez dans votre esprit le vue correct du monde. Vous pouvez penser de l'histoire du stylo ou par exemple l'histoire des deux maris en cuisine pour se souvenir que toutes les choses viennent de nos actions, les paroles et les pensées du passé. Il n'y a pas d'autre raison. Ça, c'est notre action du passé, précédente action qui crée le présent. Et pensez comme si c'est bien si vous pouvez résoudre tous vos problèmes et aider les autres de faire le même. Le monde, il ne doit pas être de façon comme il est maintenant. Vous pouvez changer. Vous pouvez le changer. De le transformer de façon que vous aimerez. Et maintenant, imaginez que votre enseignant, votre maître,
ou n'importe quel être qui vous pensez qu'il est sain, qui a la sagesse, qui a la bienveillance, la compassion en face de vous. Imaginez leur présence physique. Leur corps est magnifique. Vous pouvez essayer que leur corps est fait de la lumière. Vous sentez leur senteur, la fragrance de leur corps et leur chaleur. Vous pouvez imaginer que votre enseignant, votre maître est venu méditer avec vous. Maintenant, collectons toute notre bonté, les bonnes choses, toutes les bonnes vibrations. Et essayons de se libérer de tous les obstacles pour la méditation. Et pour Pierre, premièrement, faisons la prostration devant votre enseignant. Ça peut être un personnage historique ou religieux. Ça peut être vos parents, vos enseignants, quelqu'un qui est sage et bienveillant. Pensez à leur grande qualité. Peut-être vous voulez choisir une qualité. Moi, je pense à quelqu'un qui n'est jamais, je n'ai jamais vu qu'il se mettait en colère. Je me prosterne mentalement à la passion de cette personne, à la patience de cette personne. Et réjouissez-vous de cette magnifique qualité de votre enseignant. Essayez si vous pouvez avoir cette qualité vous-même. Vous pouvez la développer vous-même. Et maintenant, à cette étape, vous voulez offrir quelque chose à ces êtres vivants, à ces êtres. Vous pouvez offrir cette méditation. Vous pouvez offrir cette méditation. Vous pouvez penser aussi en quelque chose de bien que vous avez fait aujourd'hui ou quelques jours auparavant. Traditionnellement, dans les Écritures, ils disent que vous pouvez imaginer le ciel qui est rempli de fleurs, les jardins de fleurs. Vous pouvez aussi imaginer juste quelque chose de bien pour ces êtres. Maintenant, nous allons nettoyer les obstacles à la méditation. Pensez à une chose que vous avez fait et vous n'êtes pas fier de que vous avez fait cette chose pour les dernières 24 heures. And your
Et votre enseignant, votre maître, il a beaucoup d'amour pour vous, hein, beaucoup plus que vous avez l'amour pour vous-même. Ils ont vous et ils sont pas malheureux avec ça. Ils savent que vous faites de mieux. Juste essayez de ne pas faire ça encore. Et après, hein, pensez à quelque chose. Bien, ce que vous avez fait depuis ces 24 heures ou peut-être les dernières journées, ça doit être différent de ce que vous avez offert auparavant dans la méditation. Moi, je pense que nous sommes en train de vous enseigner cette classe et c'est tellement précieux et vraiment sans prix. Ça, c'est vraiment le meilleur ce que je pourrais faire de ma vie aujourd'hui. Et je fais de ça mon offrande. Et essayez de vous sentir vraiment joyeux de ce que vous faites. Maintenant, demandez à votre enseignant, votre maître de rester, de ne vous jamais quitter. De continuer à vous enseigner. Les enseignants peuvent venir de différents êtres, de différentes façons. Alors, si vous êtes ouvert, pour les enseignements, ils allons vous enseigner. J'aime bien imaginer que mon enseignant, il va s'élever dans l'air, très brillant. Son corps, il fait des lumières. Il ressemble à un homme de 60 ans, un homme magnifique. Très beau. Il devient de plus en plus petit, comme un petit oiseau, et il va s'asseoir sur la couronne de ma tête, sur le bout de ma tête. Il devient encore plus petit, comme une petite graine, comme un doigt ou plus petit. Vous pouvez demander aussi les bénédictions à cette étape. Les bénédictions vont dire que vous allez avoir la capacité dans le futur pour comprendre la pratique et les autres personnes. Imaginez que votre enseignant entre dans le couron de votre tête. Il est fait de la lumière, ils peuvent le faire. Il voyage jusqu'à votre cœur. Dédier cette méditation à tous les êtres vivants pour le bonheur ultime. Moi, j'aime bien le faire en trois respirations. La première respiration, je partage ces graines, ces magnifiques graines que je viens de planter avec toutes les personnes que je connais. Et j'imagine quand j'expire, la lumière dorée sort de ma poitrine et touche les personnes que je connais. Avec la deuxième expiration, je partage cette lumière avec tous les êtres vivants sur cette terre.
Et les lumières dorées, hein, sans compter, elles sortent de ma poitrine, elles touchent les êtres vivants. Et ça, c'était la dernière, hein, étape. Vous pouvez revenir à votre respiration et ouvrir vos yeux. La raison pourquoi nous avons fait cela, comment faire ça ensemble. Et si vous allez faire votre méditation principale, quand vous allez à travers de cet ingrédient, la dédication, c'est la dernière étape. Bill dit que c'était une jolie méditation. Et il dit que pour faire la notice sur les enseignants, il joue vraiment un rôle essentiel dans ses enseignements. Et c'est important que vous devez prendre un bon enseignant. Et ils disent que typiquement, ça prend 12 ans pour trouver un bon enseignant. Et je ne pense pas que c'est une exagération parce que vous allez les apprendre, vous devez vraiment faire une bonne investigation avant et vérifier par vous-même, examiner par vous-même, juger de vous-même, de ce que vous pensez. Si vous avez la confiance en cette personne. Et personnellement, moi, j'ai étudié avec Geshe Michael, ça fait 24 ans, et j'ai travaillé avec lui directement. Et j'ai la confiance en lui, pas juste une confiance, mais si vous regardez avec de ce que lui il a fait avec les cours ICI, les cours avancés, les classes de yoga, les cours de business, combien il a fait, plus que 10, non, il a écrit 120 livres et traduit. C'est pas seulement qu'il a fait ça, mais la qualité, ça c'est le livre 93. Et si vous allez voir, sur la valeur, ce qu'il a créé avec vraiment cette Asian Library, la bibliothèque d'Asie, il y a 15 ans, c'était deux différents projets, mais maintenant, c'est ça, ils sont ensemble. Si vous allez aller à l'université, vous voulez regarder vous allez utiliser les informations de cette legacy d'Asie, ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il fait de ses enseignements, pas juste avec les traductions, mais il fait ses enseignements accessibles. Et il fait de façon que ses enseignements seront possibles d'être enseignés. Et moi, j'apprécie beaucoup que c'est vraiment une personne majeure dans le bouddhisme. Et on a parlé de ça hier. Il y a comme le Master Vasubandhu. Master Asanga, Maître Asanga, et ils jouaient le rôle majeur pour que les gens comprennent les enseignements originaux de Master Avasubankou particulièrement. Lui, il a travaillé sur le Abhidharma école et sur l'esprit seulement. Après, c'est Maître Nagarjuna de la voie supérieure et les enseignements sur la vacuité et le Jetsun Kapa, Pabonka dans les 20e siècle,
Mais si vous allez voir dans le rôle de Geshe Michael qui a préservé tous les enseignements et aidé les autres pour les comprendre, lui, il est vraiment une personne historique sur ce niveau et on va se souvenir de lui comme une clé de ses enseignements et que ses enseignements ont survécu dans le 21e siècle. Les Tibétains, ils ont été obligés de quitter le Tibet, mais ces enseignements, ils étaient sauvés. Ça, c'est mon opinion. Et je pense que c'est approprié d'apprécier le travail de sa vie. De dire qu'il a travaillé dur, ça veut rien dire. C'est vraiment toute sa vie, il a dédié à ça. Il ne dort pas beaucoup et tout ce qu'il fait, c'est le travail. Et quand je parle de travail, je parle de ces cours-là. C'est vraiment un moment de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous ne pouvons pas nous comparer à Geshe Michael réellement. Vous devez dormir pour méditer parce que le sujet de cette classe, c'est cinq problèmes et huit solutions à la méditation. C'est le sujet pour cette classe et la classe suivante qu'on va faire vendredi. Et les certains problèmes que vous ne pouvez pas en fait se débarrasser si vous n'allez pas dormir. Et ce classe c'est assez cool parce que nous allons parler un peu plus comment vraiment faire la méditation. On va aller sur le processus mental. Nous avons parlé les conditions. Nous avons parlé comment il faut se préparer pour la méditation, les six conditions, la posture en huit points. Et maintenant, on va aller vers le processus mental. Et ne vous souvenez pas de ci, de ça, le 10 ça, 11 c'est après, 9. L'idée, elle est très simple, ne faites pas allusion à toutes ces listes. Alors, on va commencer avec les problèmes. Nyepanga, Nyepogye, la solution. Nyepanga, c'est problème, et Nyepogye, c'est solution. Alors, le premier problème, tous les Tibétains ils connaissent ça, c'est l'élo. Et les gens aiment l'élo, c'est la paresse. Geshe Michael, elle m'a appris une fois, ne dites pas aux gens qu'ils sont paresseux de méditer, dites qu'ils sont occupés de méditer, ne dites pas qu'ils sont paresseux, dites qu'ils sont occupés, ne les appelez pas un paresseux. Est-ce qu'on peut parler qu'ils sont diaboliques? Non, ils n'ont pas aimé ça apparemment non plus. Alors, trop occupés pour méditer. Et ça, c'est une chose, particulièrement en Amérique. C'est comme les athlètes qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps pour se préparer. Ils sont très occupés pour ça. Je me souviens une histoire de Mahatma Gandhi, si vous êtes trop jeune pour connaître Mahatma Gandhi, il était. En Inde, c'était la colonie britannique, il était une figure majeure. Il y avait beaucoup de. Comment je pourrais dire ça? C'était injuste. L'Empire britannique, il ne devait pas juste venir et en fait prendre un autre pays, mais malheureusement, dans l'histoire humaine, c'est ça le cas beaucoup de fois. Alors, les Britanniques, ils ont envahi l'Inde et l'Inde, elle ne voulait pas rester un empire britannique. Il voulait se battre et Mahatma Gandhi. Et il était vraiment une figure inhabituelle. Il avait une compréhension très claire comment le karma fonctionne. Il connaissait que s'il va. Comment je pourrais dire ça? S'il va protester dans de façon agressive, ça ne va pas aider le pays.
Alors, ce qu'il a fait, il a organisé les processus de paix d'une façon que les Britanniques avaient des difficultés à gérer. Et de façon, il était, une fois, il était dans un événement très important, un rendez-vous très important avec le ministère des Britanniques, il devait, d'Angleterre, il devait en fait faire le point. Et en fait, on lui a dit qu'il ne doit pas avoir le temps pour méditer aujourd'hui. Et lui, il a dit au contraire, non, hein, c'est un événement très important, je vais méditer au lieu d'une heure, je vais méditer 2 heures. Et il était vraiment capable de résoudre les problèmes inhabituellement. Alors, qu'est-ce que c'est la paresse? Je pense que c'est business, alors c'est occupé. Alors, une personne américaine très importante et occupée. Alors, c'est en effet, on va parler de ça plus tard dans les 9 étapes de la méditation, 9 niveaux de méditation, mais le premier, c'est le plus difficile parce que simplement, vous devez décider que vous allez vous asseoir sur le coussin. Si vous ne pouvez pas y arriver sur le premier niveau si vous n'êtes pas régulier et constant dans votre méditation. Et si vous pouvez de résoudre le problème de la paresse, vous allez faire mieux que les 99% des gens. Si sérieusement vous allez vous asseoir et commencer la pratique, beaucoup de gens allons entendre ça. Mais si vous pouvez actuellement commencer à faire ça, vous serez vraiment dans ce 1%. Alors, il y a 4 solutions. Il y a 5 problèmes, mais vous allez peut-être avoir expecté que vous pouvez avoir 5 solutions, mais en fait, la paresse, le business, l'occupation, c'est le plus grand problème. Et alors, ce problème, il y a 4 solutions. Alors, c'est quoi les 4? Est-ce que tu veux apprendre dans la façon traditionnelle? Ah, Bill va dire dans le traditionnel. Alors, c'est ça ce que j'aime bien. Ce n'est pas tibétain. Ça vient pas vraiment dans la tradition tibétaine, mais ça, c'est vraiment dans les traditions des humains de résoudre les problèmes. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Inel Diabil, quand elle était à l'école, j'avais un garçon et je me souviens, il était fils de notre enseignant. Et moi, je suis tombée amoureuse de lui en secret. Et bien sûr, je ne dis à personne. Ah, tu ne m'as pas dit à moi non plus, dit Bill. Alors, c'était il y a 30 ans, je pense, mon amour. Non, 33 ans. Je vais prendre ça en considération, dit Bill. Et il y avait ce garçon, Dean. J'étais première solution pour la paresse. Moi, je pensais, waouh, il est tellement intelligent, il connaît toutes les réponses, sa mère, elle a enseigné la géographie et il connaissait complètement la géographie, il était très bien en histoire. Et moi, j'ai regardé et je disais, waouh, il est tellement cool. La deuxième étape, vous pensez que la méditation, c'est cool parce que vous avez 13 bienfaits, si vous vous souvenez. Si vous ne connaissez pas les bienfaits de la méditation, vous pouvez regarder notre classe ouverte que nous avons fait avant le cours ECI3. Nous avons parlé pendant 1 heure et demie à propos de les bienfaits, les bonnes choses de la méditation. Et si vous êtes une personne de business, même une seule
un seul mois de la méditation va faire vraiment les très bons bénéfices. Vous serez très moins stressé, plus concentré. Et il dit que dans son expérience, il commençait à dormir plus. Quand j'ai commencé à méditer, j'ai compris que j'avais besoin moins de dormir. Mais maintenant, je me dis que je n'ai pas besoin vraiment beaucoup dormir. Je peux dire 6-7 heures et je vais être très reposée. Et quand vous commencez à être bon dans la méditation, c'est vraiment cool. C'est joyeux de s'asseoir et écouter les 15 minutes, d'écouter les symphonies et en fait se réjouir de chaque note. Et là, c'est pareil, de s'asseoir et lire aussi facilement, c'est la même chose. Oh, c'était cool pour moi, et elle dit que c'était pas cool. Pour moi, c'est bien si vous pouvez s'asseoir et réfléchir ce que vous pouvez apprécier, ce qui a été fait, toutes les choses que vous pouvez faire plus rapidement. Vous pouvez aussi résoudre les problèmes des autres facilement, plus facilement. Et je pense que c'est cool, hein, c'est d'avoir l'esprit qui est plus effectif. Et c'est bien d'avoir ça. Alors, pour moi, le cool, c'était de sentir le futur, de dormir moins. Qu'est-ce qui était bien pour moi? Alors, ne pas se mettre en colère, parce que je ne sais pas comme pour vous, mais les certaines personnes, elles sont bien dans la gestion de leurs émotions. Ils sentent les émotions. Vous êtes honnête avec vous-même de ce que vous ressentez, mais vous n'êtes pas, vous ne devenez pas en fait un failli de ces émotions. Et il vient, cette émotion, les peurs, la colère, la jalousie et la tristesse. Et après, c'est juste, ça fait comme des vagues. Et si vous n'êtes pas une personne que vous pouvez gérer comme ça, et moi j'étais cette personne-là, je pouvais rester dans une émotion pendant les semaines. Par exemple, une émotion très implaisante, et je faisais ça dans ma tête, de vraiment réfléchir sur cette émotion. Ce n'était pas vraiment bien pour moi. Je sais que j'ai planté des mauvaises graines. Méditation, il est très utile dans ça. Et d'avoir ce temps, le temps entre quelque chose qui de négatif qui se passe jusqu'à le moment où je dois réagir. Et ce temps, il n'y avait pas de temps, et après, oups, j'ai plus de temps entre ces deux-là. L'émotion, elle arrive. Et moi, je me dis, OK, est-ce que je fais ça? Je fais ça, je fais ça. J'ai plus de liberté pour réagir. Et ça, c'était très bien pour moi parce que je ne me sentais pas que j'ai été envahie par ces émotions. Ça, c'est, on parle des afflictions mentales, si on peut se mettre en colère contre quelque chose quand vous êtes pour plusieurs journées, mais quand vous méditez, vous êtes plus en conscience de ce qui se passe dans votre esprit et le temps, il devient plus court. Et quand vous allez commencer à travailler avec ça, ça va devenir de mieux en mieux, parfois les jours, parfois l'heure. Et après, vous pouvez vous dire, OK, ça marche vraiment et je n'ai plus vraiment de colère. Et après, vous allez avoir juste les minutes. Et après, vous allez vraiment arrêter votre colère. Même avant que ça arrive. OK, là, je sens que ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est comme si... Et là, je sens comme si c'était une personne qui était avec moi dans la chambre. C'est la colère et moi, je ne veux pas cette colère-là. Je me débarrassais. C'est comme
C'est comme cette colère que vous êtes en train de créer vous-même. Je veux me débarrasser tout de suite de cette colère et pour que ce pas reste, que ça reste pas les jours avec moi, je vais me débarrasser. Et oui, je vais me débarrasser, je vais la sortir de cette chambre. Et après, sur le niveau supérieur, vous allez avoir besoin de shamatha pour être très bon en médi pour, il faudra avoir être très bon en méditation pour voir la réalité ultime, que pour savoir de où viennent tous vos problèmes. Et quand vous voyez cette réalité ultime, vous pouvez vous dire, OK, ça peut être n'importe quoi. Et vous réalisez que vous créez vous-même toutes ces choses-là. Et quand ça arrive, vous commencez à avoir l'habilité de vraiment arrêter les problèmes en permanence pour que ça ne revienne plus. Et vous pouvez avoir cet état, vous pouvez atteindre cet état. C'est un long chemin, mais si vous voulez sortir ça avec les racines pour se débarrasser, vous devez atteindre cet état de méditation, ce niveau. Vous serez vraiment, vous allez arrêter la souffrance, se libérer de la souffrance comme ça. Et vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, parce que notre esprit, il fonctionne de façon, tous les esprits fonctionnent de même pareil. Et ça peut faire votre vie avec du sens. Vous pouvez penser que ces choses, elles vont nous satisfaire, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez utiliser la méditation de résoudre tous vos problèmes. Et je ne pense pas qu'il y a un point, il n'y a pas une meilleure façon de vendre ça. Et je peux penser, si, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment quelque chose clair? Est-ce que c'est vraiment réel? Oui, je pense. C'est précis, oui. Est-ce que Ineldi, est-ce que je peux revenir à mon histoire sur mon copain potentiel à l'école? Mon amour, tu vois, tu n'étais pas dans mon école. Tu étais quelque part en train de voler au-dessous des canyons. Bill, elle dit que les choses changent. J'ai été à l'armée, en fait. J'étais un pilote à l'armée quand la République soviétique, c'était encore le pays, c'était encore l'ennemi. Alors, moi, tu veux me dire que je suis tombée amoureuse de. Tu es tombée amoureuse de personnes de la République soviétique, tu n'étais pas encore là. Alors, je pensais à ce qu'elle était et je me disais, OK. Les qualités sont vraiment bien. Je voudrais vraiment rencontrer cette personne. Et après, je me souviens que je me disais qu'à l'école, vous n'allez pas aller tout droit, vous allez comme ça, vous allez mettre les plans. Et je me souviens qu'il devait aller dans un groupe des étudiants qui en fait, essayaient d'apprendre comment avoir la gestion de business. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de joindre cet groupe aussi. Le deuxième, c'est la décision. Vous décidez que vous voulez méditer. La solution numéro trois. Il dit à Bill que tu vas aimer bientôt. Oui, tu vas aimer cette histoire. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'on n'a jamais en fait sorti ensemble. Alors, après, j'ai pris l'action. Je suis actuellement venue. Ça, c'est la troisième solution.
Vous prenez l'action, vous vous asseyez sur votre coussin ou sur votre chaise le matin. Le meilleur chose, si vous ne touchez pas votre téléphone dès le matin, parce que les téléphones, c'est vraiment horrible. C'est ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de faire d'abord la méditation, juste avant que je fasse toutes les autres choses. Je vais juste je vais boire l'eau chaude, je vais aller dans la salle de bain et après je vais faire la méditation. Parce que nous avons trop de distractions. Et après, vous prenez les actions, vous le faites. Et cela va être un antidote actuel. Le plus vous allez le faire, le plus vous allez voir les changements dans votre vie. Même cette petite chose, vous allez dormir mieux, vous êtes plus effectif, vous êtes plus créatif. Vous n'êtes pas en train de se plaindre de vos émotions et de dire que c'est les autres qui ont tort. Ça, c'est déjà une très bonne liste. Vous allez sentir où vous devez aller et là où vous ne devez pas y aller. Et aussi, avec cette liste, la méditation au début, ça va, vous allez vous sentir, oh mon Dieu, je dois rester 5 minutes sans bouger. Waouh, waouh, c'est pas possible. Je me souviens la première fois quand je fais, OK, mon Dieu. Et ça, elle appelle l'esprit paisible. Non, non, moi, j'ai des dragons dans mon esprit qui font tout ça, qui volent. Je pensais, le pire esprit, quand je médite, et pas quand je médite pas. En fait, on va parler de ça après, quand on va parler des 9 niveaux de la méditation. Il appelle ça comme le blazer, le gilet qui. En 13e siècle, non. Qu'il prend quelqu'un et le met dans cette gelée qui garde les personnes immobiles. Vos mains, elles vont à l'intérieur et après, ils sont tirés vers le derrière et ça va vous retenir de faire les mouvements. Et je me souviens que la première fois quand je me suis assise pour une méditation et j'ai fait le commitment, je me suis dit que c'est comme si j'ai mis ce gilet-là et je ne pouvais plus bouger. Et j'étais en train de paniquer que je ne pouvais pas bouger. Et ça part après. Ce qui se passe quand vous êtes assis sur votre coussin, vous avez cette sensation que vous allez tomber dans quelque chose et après où, quand vous allez atteindre ces 4 solutions, le résultat, alors on n'a pas parlé de mots en tibétain, on n'a pas dit. Alors, si vous allez faire ça encore et encore, vous allez avoir cette joie, le bonheur, cette légèreté. Quand vous allez dans la posture de la méditation, vous serez vraiment heureux à propos de ça. Et vous allez vous dire que, OK, pour les prochains quelques minutes, 30 minutes, 1 heure, vous allez avoir cet plaisir, la joie, la paix dans votre esprit, etc. Et Bill, il dit que, en effet, que quand vous allez être bon en méditation, il y a le joie physique et aussi une excitation parce que vous réalisez que vous allez avoir le contrôle sur votre esprit que vous n'avez pas eu auparavant, ce contrôle. Et ça, c'est excitant. Waouh! Je peux vraiment le faire et ça, c'est cool. Je peux
avoir ce contrôle et je peux utiliser mon esprit. Je n'étais pas en contrôle avant. Et ça, c'est excitant. Ça, c'est vraiment très cool. Inel dit, alors, nous avons plusieurs questions. Je vais suggérer qu'on va répondre à ces questions à la fin. Et on va d'abord être sûr qu'on va parler de tout. Et on va introduire ces concepts dans ce cours pour faire quelque chose gratuitement après ça, pour suivre tout ça dans plus de détails et aller encore plus en profondeur. Parce que ça, c'est un grand monde. Et vous allez découvrir d'autres structures et c'est mieux de faire ça avec la personne qui a déjà médité. Alors, on va faire cette introduction. Vous allez avoir les basiques et après travailler avec vos questions. Bill, Inel dit, Bill, il est en train de travailler sur quelque chose pratique qui va être plus pratique après ce cours-là. Alors, les quatre solutions, Tingenzin LaDepa, ça vous développez la foi, vous en fait admirez les bienfaits de la méditation, ça c'est numéro un, il y a 13 bénéfices de la méditation, ok, je peux vraiment faire ça, si je médite, ok, je peux rencontrer les êtres qui sont les anges. Et on les appelle les anges. Réellement, je peux vraiment arrêter ma colère ou mes émotions négatives. Ça, c'est vraiment cool. Bill, il dit, oui, des choses si simples, juste arrêter des choses plus simples et jusqu'à arrêter la mort. C'est là. Un deuxième, vous le voulez. Dumpa. Tsundru, vous mettez les efforts. Je vais aller rencontrer le copain que j'ai jamais rencontré. Et parce que ce n'est jamais rencontré, je n'ai pas eu le résultat. C'est pas c'est passé avec l'autre garçon, mais c'est passé avec toi, Bill. Et là, on se connaît et ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble parce que nous sommes rencontrés en 2019. Et je pense que cette relation, c'est le résultat des méditations. Parce que vous prenez les cours ICI. Vous faites vos devoirs, vous faites vos méditations et ça met la sagesse dans votre esprit. Vous allez utiliser cette sagesse pour créer le monde que vous voulez, pour être heureux. Mon mariage heureux, c'est absolument, c'est lié à la méditation. Et après, vous méditez. Et vous rencontrez d'autres obstacles. Et de quoi je voulais aussi parler, Xinjiang, faites les efforts nécessaires pour méditer. Et j'ai déjà dit ça une fois. Généralement, ça veut dire que vous devez juste vous asseoir pendant 6 jours par semaine, constamment. S'asseoir et méditer. Et la plupart des gens peuvent faire les 15 minutes. Si vous n'avez jamais médité, vous pouvez commencer par 10. Et si vous commencez avec 10 minutes, si vous ne pouvez pas avec 10 minutes, vous pouvez commencer avec 5 minutes. Et 15 bonnes minutes de la méditation, ça va faire le début. Et après, ça marchait pour moi. Votre objectif doit être shamatha, la vraie bonne méditation. Et c'est ça ce qui va résoudre tous vos problèmes. Ça va dépendre de la personne, d'autres facteurs de votre vie.
Et on va parler de ça plus tard. Mais il faut faire 2 heures par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais ne soyez pas. Ne faites pas attention à ça. Et le deuxième, Dam Jekpa, instruction, les conseils. On va vous donner les noms anciens et ce nom, il donne pas ce qui est vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez perdre l'objet de la méditation. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'objet sur quoi il faut méditer. Et en fait, ce n'est pas un objet physique. Parce que quand vous méditez sur quelque chose de physique, ce n'est pas vraiment un objet. Parce que la méditation, c'est le processus interne. Alors, vous n'avez pas oublié les instructions, vous avez juste oublié ce n'est pas parce que vous avez oublié les consignes, vous avez perdu l'objet. La méditation que nous avons faite ensemble, où il y avait les objets différents, vous avez vu votre enseignant ou un être qui a la compassion, qui est en face de vous. Et en fait, à un certain point, vous pouvez voir votre enseignant, maître, vous pouvez le voyer, et après, oh là là, qu'est-ce qui était pour le petit déjeuner? Ou que je dois partir de la maison et aller au travail, ou qu'est-ce que je vais faire au travail, ou après c'est le déjeuner, et après c'est mon patron, j'aime pas mon patron, et là vous êtes assis, et là vous êtes en train d'ouvrir. Elle était vraiment triste parce que j'ai ouvert la fenêtre, on voyait un autre. Bâtiment. On était en train de travailler sur faire une image très magnifique. Alors, qui a fait ça? Qui a ouvert? Et ça, c'était dans cette fenêtre. Et ça, c'était dans ma méditation aujourd'hui. Alors, oubliez les consignes. Ça veut dire que vous préparez votre espace de méditation, votre coussin, l'hôtel. Vous asseyez. Et après, vous ne commencez pas. Vous êtes en train de faire les plans sur d'autres choses ou vous avez une distraction et vous essayez et les 30 secondes vous êtes dedans et après les 15 minutes vous n'êtes pas là. Et pour être honnête, ça va pas compter comme une méditation sur ce point-là si votre esprit. Si votre esprit n'est pas sur un objet, vous n'avez pas médité. Vous avez juste vous assis, mais vous êtes en train de dormir debout. Ou vous avez des afflictions mentales. Ça, c'est aussi quelque chose de populaire. Moi, je suis le juge et le jury. Ah, je suis malheureux avec ce qui s'est passé et je me suis assis sur le coussin pendant 15 minutes et en fait c'est injuste, ça c'est pas la méditation. En fait ce que je pense, il me le dit quand c'est commencé pour moi, j'avais un enfant de 5 ans et ça c'était toujours dans mon esprit, il voulait jouer, il voulait pas vraiment s'asseoir sur un coussin. Il faisait plein de distractions. Alors, qu'est-ce que je fais? Et après, mon premier enseignant tibétain, il me disait que c'est un chien qui est en fait en train de découvrir l'univers et vous ne pouvez jamais l'attraper. Et vous ne pouvez pas le concentrer. Et ça, c'est en fait l'esprit, c'est comme le chien qui vous pouvez pas se concentrer sur le point où vous voulez, il est en train de vraiment veiller un peu partout. Ou c'est comme un singe qui dit oh, banane, oh, un bol, il est en train de sauter sur une chose à l'autre.
Votre esprit est en train de sauter d'un objet à l'autre. Il ne se reste pas focalisé, concentré sur une chose. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ce singe, ou singe girl, ou singe fille, ou singe garçon dans votre esprit? Alors, vous devez avoir la compassion, ne soyez pas malheureux avec ça. Ok, j'ai décidé de méditer sur ça. Et pourquoi tu es en train de sauter sur un objet sur l'autre? Ça ne marche pas comme ça. Imaginez que vous avez cet enfant de 5 ans. Vous devez lui ramener les bonnes, quelque chose de bien, les bonbons. Et ok, si tu es en train de réfléchir à petit déjeuner, tu vas le promettre, ok, on va manger ce magnifique petit déjeuner, mais après la méditation, ça doit être très gentil, ça ne doit pas être agressivement, ça va être vraiment dans la douceur, ramener l'esprit sur l'objet. Et ça va être quelque chose de positif. Si vous allez vous mettre en colère à propos de vous-même, ça ne va pas vous aider. Je me souviens que Geshe Michael, son métaphore, c'était vraiment comme une vache très têtue. Devinez comment lui il sait, ça c'était une histoire très longue. Lui, il a eu un accident. Une vache s'est arrivée. On va parler une fois. Mais ça, les vaches comme ça, ils ont dans tous les endroits et quelque part, ils les ramènent après et les gens les rappellent. Et en fait, ils les mettent quelque chose Et en fait, il y a les certaines vaches qui ne vont pas suivre la voiture. Ils utilisent le lasso pour les attirer, pour les tirer. Et votre esprit, c'est comme cette vache têtue. Et si vous allez être agressif, la vache, elle va gagner. Alors, ne vous battez pas avec votre esprit, vous allez perdre. Et Bill, il dit alors la solution pour ne pas se distraire. Et quand vous perdez en fait l'objet, le mot tibétain c'est jhampa. Juste, souvenez-vous pourquoi vous vous êtes assis sur le coussin. Vous êtes en train de. Une partie de votre esprit est en train de regarder votre esprit et vous devenez de plus en plus bien, mieux. Alors, ne se battez pas avec votre esprit, juste soyez un ami pour votre esprit. Comme d'être un ami pour un enfant de 4-5 ans. Il ne faut pas gueuler sur cet enfant. Ça ne va pas marcher dans la méditation. Juste faites doucement. OK, on va juste méditer 5 minutes seulement. Et après, on va aller avoir le petit déjeuner. Une de nos étudiants, moi et ma princesse, on va y aller faire ça. Ok, suivant, ça c'était ses souvenirs. Drenpa, ses souvenirs. Et ça ne veut pas dire ses souvenirs, ça veut dire de revenir gentiment sur l'objet. Le troisième, ça c'est vraiment très important. Dans les premiers niveaux de la méditation, vous allez avoir très rapidement sur ces. Ok, ça va dépendre, pas vraiment rapidement. Peut-être si vous êtes un docteur, vous avez l'habitude de se concentrer, mais pour les premiers trois niveaux, on va parler de ça. Les premières, quand vous allez
Le premier, c'est que vous allez garder la concentration sur l'objet, pas le perdre. Ah, ne pas le perdre, ne pas passer sur un autre objet. Vous essayez de continuer à méditer et pas perdre l'objet de la méditation. Et en fait, c'est vraiment une très grande étape quand vous pouvez vous asseoir et pour 15 minutes méditer, 30 minutes, 1 heure, et ne pas perdre l'objet. Vous allez voir la première fois quand vous allez essayer, si vous êtes comme moi, même rester 30 secondes, ça c'est. C'est vraiment. Moi, je suis comme un fou singe. Ça, c'était difficile pour moi. C'est tout sauter d'un objet à l'autre, c'était difficile pour moi. Après, d'abord, quand mon esprit il a fait 30 secondes, 1 minute, c'était bien. Après, ça va devenir mieux. Et quand vous pouvez garder votre esprit sur un seul objet, mais vous n'êtes pas fini avec ce point-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce que vous allez travailler sur ce point-là, ça, c'est l'agitation et la torpeur mentale. Et ça, c'est le troisième problème. La torpeur mentale et l'agitation. On dit que c'est l'esprit qui est très occupé et endormi. Et ça va décrire bien, en fait. C'est vraiment l'esprit qui est très occupé. L'esprit occupé. Et au début, on l'appelait l'agitation parce que votre concentration. Vous n'êtes pas en train de perdre l'objet, mais il y a d'autres choses qui arrivent dans votre esprit. Les grandes choses, par exemple, vous êtes en train de respirer, expirer, inspirer. Oups, le petit déjeuner. Et là, vous n'allez pas le perdre pour toute la respiration entière. Vous allez se souvenir, puisque vous êtes déjà assez bien sur la concentration. Vous n'allez pas perdre l'objet de la méditation. C'est comme si vous avez la lumière qui est en train de briller. C'est comme la lumière est en train de voir, d'illuminer en fait cette bouteille. Mais après, c'est comme il y a quelque chose qui passe à côté et vous êtes conscient de quelque chose qui se passe à côté. Et votre conscience, il est là. Ça peut être quelque chose de très grand. Ça peut être. C'est bien, vous n'allez pas perdre l'objet, mais vous allez avoir beaucoup de pensées en même temps. Ils disent aussi comme si c'est comme vous voyez le ciel, mais il y a aussi les nuages. Vous allez voir, c'est possible de garder la concentration sur un seul objet, et après avoir des pensées, elles n'ont pas resté très longues, ils n'ont pas vous faire sortir de la concentration sur cet objet, mais ils ont été là, ils ont distraire votre esprit. Et ça va en fait baisser la concentration. Et ça, c'est l'esprit occupé. Il y a aussi l'esprit endormi. L'esprit endormi, imaginez, nous avons eu la question, et ça, c'est une bonne question pour répondre. Nous avons eu une question dans le chat et on va répondre. Imaginez que vous avez trop mangé, par exemple à 11 h, 23 h, 24 h. Ah, au milieu de la nuit. Et après, vous n'avez pas dormi assez, vous vous êtes réveillé à 6 heures, vous avez dormi juste 5 heures, vous allez vous asseoir pour méditer, et là, vous fermez les yeux, et là, c'est comme un très grand éléphant qui est assis dans votre esprit. Et ça, c'est en fait la sleepiness, c'est l'esprit endormi. La torpeur. Vous n'avez pas énergie pour en fait
faire la méditation. Un seul objet, il n'est pas très vivant, il n'est pas très vif. Il n'y a pas en fait cette intensité avec laquelle vous pouvez se concentrer, vous allez le perdre l'objet. Vous êtes juste là comme ça, en train de s'endormir. Et là, vous pouvez aussi vous endormir lors de la méditation. Et ça devient un problème quand vous allez vous débarrasser de l'agitation, quand votre esprit est en train de sauter un objet à l'autre, et après vous allez travailler sur cette torpeur, sur cette endormie de l'esprit. Oh là là, je suis en train de gérer de décoffiner le singe, mais là, en fait, elle est en train de s'endormir. Il nous dit aussi ce qui se passe. Vous allez appliquer ces antidotes. Vous allez avoir toute cette information à propos des antidotes. Et même les choses plus cool, parce que Bill est allé à travers tous ces niveaux, tous ces étapes, Bhavanakrama, les étapes de la méditation. Il est vraiment un exemple vivant. Et Bill dit que beaucoup de gens, ils ont ça. Et il dit qu'il est très modeste. Les gens disent, ils développent le shamatha, mais ce n'est pas très souvent. Bill dit que shamatha, c'est vraiment c'est un objectif qui est plus facile à atteindre que la perception directe de la vacuité. Alors, shamatha, c'est relativement facile à développer. Alors, c'est si tu vas aller en 3 ans de la retraite pour le faire, dit Inna. Bill dit que je me souviens que j'ai travaillé assez constamment, j'ai été un peu fatiguée. Et ça, c'était un dimanche. J'ai travaillé 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Et ça, c'était un dimanche. Et je me suis dit, OK, je vais prendre un dimanche off. J'ai travaillé dans ma retraite. Je faisais mes pratiques, je faisais mes prières, mes méditations, le yoga et d'autres choses. Et j'étais fatiguée. Et je vais prendre une journée off. Et un dimanche, et je ne parle à personne, je suis dans ma retraite. Et OK, maintenant, c'est quoi? J'ai une journée off, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je vais juste regarder le sol ou ça va pas être vraiment très cool. Et ça aide en fait. La méditation, ça aide. OK, dit Inna. Avec la torpeur. Et une chose importante, c'est ce que nous faisons dans la méditation, c'est on est sûr qu'on ne sommes pas tombés ni dans la torpeur ni dans l'agitation, que notre esprit n'est pas en train de dormir ou pas être agité. Il doit être vraiment au milieu. On devait apprendre à conduire la bicyclette pour la première fois. Il dit qu'il avait une Jiguli blanche. Ça, c'était une voiture très, très ancienne. Et il ne pourrait pas y aller très vite, 30 km par jour. Ouh, c'est vite. Et après, vous allez faire les certains mouvements. Et ce soit c'est à droite, soit c'est à gauche. C'est un peu trop à droite, un peu trop à gauche pour les premières fois. Et après, vous allez apprendre comment conduire au milieu, en fait. Et vous ne pouvez pas y aller ni à droite ni à gauche. Vous devez aller au milieu. Et ça, c'est la même chose avec la torpeur et l'agitation. C'est avec l'esprit endormi ou l'esprit occupé. Et quand vous êtes biologique, quand vous pouvez garder l'objet, le bataille que vous allez avoir,
le bataille entière ou le progrès pour apprendre le shamatha, pour apprendre les étapes de la méditation, pour avoir la perception directe de la vacuité, pour avoir ces étapes pour résoudre vos problèmes. Et ça, c'est le bataille, ça va être vraiment de travailler avec l'esprit occupé, l'esprit endormi. Et vous, quand vous allez avoir le contrôle de ces deux états d'esprit, vous allez atteindre le shamatha. Et après, les suivantes étapes, c'est juste gérer, d'apprendre à gérer tout ça. Et ça, c'est vraiment cool d'apprendre à développer ça. C'est comme un athlète, comme un joueur de hockey qui apprend à skier. Et après, il est en train de sauter et il peut skier en arrière, devant, et ça, c'est la même chose. OK. Et elle dit une chose qu'on doit dire à propos de la torpeur subtile et l'agitation subtile. Ça va être en fait, on va parler de ça plus tard. On va essayer de finir dans 10 minutes parce que pour que ce soit pas trop tard. Parce que ça, c'est les niveaux d'esprit endormi et agité. On va parler de ça dans la classe 7, je pense. Et ça va être la torpeur subtile et l'agitation subtile. Il y a beaucoup de choses à on va parler de ça plus en détail parce qu'il y a des choses à dire. OK, les antidotes pour la torpeur et l'agitation, pour l'esprit qui est occupé, l'esprit qui est endormi. Alors, c'est Shechen. Les gens, ils aiment bien ce mot-là, les mots tibétains. Et les trois mots que les gens, en général, se souviennent, c'est Lelo, Shechen, ce qui est la vigilance. Geshe Michael, maintenant, appelle ça comme le petit alarme, comme une petite antenne qui sonne. Et le Drempa. Drempa, c'est revenir sur l'objet. Alors, le Shechen, c'est une partie de votre esprit. Il est là pour, en fait, surveiller. Est-ce que vous êtes dans l'agitation ou vous êtes en train de vous endormir? Ça, c'est Shechen. Quand vous allez vous asseoir, méditer, OK, et une partie de votre esprit, il va faire OK, je vais observer, il est là. Alors, Iné, est-ce que tu es en train de t'endormir? Est-ce que tu es endormi? Est-ce que tu es en train de. Est-ce que tu es très occupé? Oui, est-ce que je suis occupé? Est-ce que je suis en train de dormir? C'est quelque chose comme ça. Shechen, c'est. Shechen ne fait pas un travail. Ça, il faut savoir, il faut se souvenir de ça. L'alarme de fumée, il n'arrête pas la fumée. Il faut avoir une personne qui va arrêter le feu. C'est pareil comme dans la méditation, un muscle de la méditation qui va vous ramener sur l'objet ou vous corriger. Est-ce que vous êtes très près de l'objet ou vous devez être un peu plus détendu ou si vous êtes trop occupé ou peut-être vous devez aller un peu plus en profondeur sur l'objet, de vous rapprocher. Votre esprit, il peut regarder, observer votre esprit en un moment quand il réfléchit, quand ça devient de mieux en mieux. C'est comme un athlète. Au début, ça va être vous devez avoir beaucoup d'efforts pour le faire et être vraiment conscient de l'objet. Et quand votre capacité mentale va augmenter, ça va être plus facile. Vous serez plus effectif et cette effectivité elle va augmenter. Au début, vous allez avoir des problèmes. Et après, ça devenir de plus en plus facile jusqu'au moment où ça va prendre presque pas d'effort pour faire ça. Ça va être juste directement. Vous allez avoir le contrôle de votre esprit. Alors, tu ne voulais pas le faire.
Et la suivante question, c'est la différence entre la fixation avec la clarté, la fixation à la clarté et la fixation. Alors, si vous voulez en fait atteindre le shamatha, votre fixation doit être avec la clarté, elle doit être claire et intense. Peut-être tu te souviens ton premier enfant avec ton mari. Moi, je me souviens. Il était. Alors, vous pouvez vous souvenir de la qualité de votre. Ah, c'est le premier baiser, désolé. C'était à propos de votre premier baiser, il parlait, si on peut se souvenir. Si vous pouvez voir clairement et parce que vous avez ces émotions entre vous, vous avez cette intention. C'est ça ce que vous voulez avoir, c'est la clarté et l'intensité dans la fixation, comme votre premier baiser. Et l'exemple traditionnel que Bierschemaier Michael utilise, il dit la fixation, c'est comme tenir une tasse. Il est en train de le dire, vas-y, tu peux expliquer. Alors, la fixation, c'est tenir une tasse, vous l'avez dans vos mains, oui, ça ne va pas tomber. La fixation avec la clarté, c'est garder la tasse et avec la clarté et l'intensité, c'est tenir bien la tasse. Fermement tenir la tasse. Et pour moi, c'est comme si c'était une lumière qui était sur l'objet. Il y a en fait une concentration, la focalisation sur ce objet. Et après, et c'est pas juste en fait lumineux. C'est comme si la lumière était éteinte et il n'est plus là, cet objet, avec la même intensité. C'est comme si c'était une énergie. Et il y a une énergie que vous pouvez. Avec cette énergie, vous êtes complètement éveillé. C'est la lumière de votre esprit est en train de briller. Vous êtes éveillé complètement. Quelque chose d'autre? On a encore 5 minutes. Expliquer la différence entre la torpeur grossière et la torpeur subtile de la méditation. Et ça, c'est la dernière question sur dans votre devoir, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. En fait, c'est lié à la fixation et la clarté, l'intensité. Alors, la torpeur grossière, c'est quand vous avez la fixation de l'objet et vous avez perdu sa clarté. Et la torpeur subtile, c'est quand la clarté vous avez la clarté, mais vous n'avez pas la vivacité ou éclat de l'objet. La torpeur subtile, c'est très difficile parce que si vous allez perdre votre objet, c'est si vous pensez à votre déjeuner, l'agitation, c'est aussi facile à le voir parce que vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre au lieu de l'objet. Mais la torpeur ou l'esprit endormi, la torpeur grossière, c'est assez facile à voir parce que vous êtes en train de vous endormir, vous êtes en train de tomber. Ça, c'est facile aussi de voir. Ça, c'était grossier. C'était pas très subtil. Mais la torpeur subtile, ça, c'est ce qui peut passer. C'est plus compliqué à le voir. Vous êtes en train de garder l'objet, se concentrer sur l'objet. Votre objet, il s'est focalisé sur cet objet. Vous n'avez pas l'agitation.
Vous n'êtes pas en train de vous endormir, mais vous êtes juste assis là avec la torpeur subtile et vous êtes comme un zombie. Et ça peut être assez paisible parce que vous n'êtes pas en train d'être harcelé pour vos afflictions mentales, vous n'êtes pas en fait en colère de votre passé, vous n'êtes pas en train de s'interroger sur le futur, vous êtes là dans le moment, vous êtes sur l'objet, mais il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'intensité, vous êtes juste là. C'est paisible. Vous pouvez rester assis comme ça pendant des heures. Et vous n'êtes juste pas là, vous êtes parti. Et beaucoup de gens, ils ne reconnaissent pas cette torpeur subtile. Oui, ils disent, j'ai été assis là pendant 3 heures. Et ils méditent, mais ils méditent pas de façon, de façon qui va les aider. Et en fait, la torpeur subtile, c'est vraiment très difficile à trouver, à reconnaître. Et ça, c'était ce que nous devons vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était les obstacles. Il y a 4 obstacles et 8 solutions. 5 obstacles et 8 solutions. Et nous avons fini les 3. Et il y aura encore 2 pour le classe suivant. Et ça, c'est des grandes idées. On va continuer, commencer. Nous allons continuer à travailler sur ces idées. On va regarder, trouver pour vous, essayer de vous aider, les comprendre et appliquer dans votre méditation. Et pour le faire dans la façon très effective pour atteindre le bon niveau de méditation supérieure, ça, c'est possible. Si vous êtes vraiment très occupé, vous devez méditer parce que vous serez moins occupé si vous allez méditer et vous serez plus effectif. OK, juste faites ce... assurez-vous que le faites au moins 5 minutes tous les jours. On va vous apprendre plusieurs méditations. On va décider après les méditations qu'on va vous enseigner. On va essayer de les faire dans les cours pratiques. Question. Ce qui est important, si vous voulez méditer dans le matin, ne mangez pas très tard parce que sinon vous n'allez pas pouvoir méditer, vous allez dormir. Ou par exemple, ne méditez pas après que vous avez eu le petit déjeuner parce que c'est aussi... sinon, c'est parce que vous voulez vous endormir après le petit déjeuner. Pour Bill, c'est au contraire mieux d'avoir le petit déjeuner parce que sinon, elle ne va pas pouvoir méditer. Pour lui, c'est différent. Bill, il dit que j'ai besoin de prendre le petit déjeuner parce que quand j'étais très enfamée, je ne pouvais pas méditer, en fait, je ne pouvais pas me concentrer. Et ça, c'est aussi, vous allez voir dans les pratiques, il faudra essayer, voir pour vous-même. Vous ne pouvez pas méditer après le café. Si vous avez bu le café, si vous voulez expérimenter les méditations sous le caféine, c'est vraiment très agité. Le singe avec le caféine. D'autres choses. Normalement, si vous mangez, si vous allez manger, s'ils mangent la viande, c'est plus difficile. Si vous mangez la viande, c'est plus difficile de méditer. Je ne peux pas dire que. Il dit qu'il ne peut pas avoir le statistique à propos des champignons et l'ail, mais beaucoup de méditateurs essayent d'éviter ça. Moi, personnellement, je ne mange pas. Très souvent ça, alors je ne pourrais pas vous expliquer vraiment ou dire si c'est bon ou pas. Mais le sucre, c'est sûr que c'est très mauvais pour moi, par exemple. C'est mauvais pour moi parce que pour mon lung qui est naturel, à propos de
à cause de ma constitution, parce que je travaille beaucoup avec avec les ordinateurs, les choses artificielles, le sucre, c'est vraiment mauvais pour mes conditions, pour la méditation. Le caféine, le sucre, dans la retraite d'Ibil, vous pouvez être vraiment très sensible à la nourriture parce que vous n'avez pas d'autre chose sur quoi avoir l'attention. Parce que même par exemple le riz, moi je mangeais mieux le riz sauvage. Il dit ne mange pas le riz sauvage, juste le riz marron. Et yoga, c'est très bien pour la méditation. Si ce n'est pas la nourriture. Je pense qu'on est arrivé à la dernière. Nous avons beaucoup de conseils. Vous êtes pas, devez être très informé pour méditer, pour répondre à la question. Ou par exemple, arrêter de manger après le 12, après le midi. Ça, c'est vraiment dans les monastères, vous n'êtes pas obligé de le faire. On n'est pas, les monastiques, on n'est pas dans les monastères, on travaille, on ne va pas y aller faire les sessions à 3 heures du matin. Et beaucoup de ces pratiques, il y a les raisons plus profondes et pourquoi ça marchait pour eux, mais nous, ce qu'on doit adapter, c'est à notre situation. Par exemple, si vous êtes un parent, un élève, un étudiant, si vous avez du travail, vous devez vous adapter à ça. Et pas manger après le midi, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas la peine. Et pour répondre à la dernière question à propos de la méditation avec la musique et l'audio, avec les voix, quand vous allez apprendre une méditation particulière, par exemple le danse des lions ou le Jetsun Kapa, méditation Ganden Wakayama, ou la chambre dorée, vous allez avoir à apprendre les instructions. Vous devez avoir ces voix, ces audios pour apprendre comment méditer. Mais après, quand vous avez appris, vous ne devez plus l'écouter. C'est que juste après ça, vous allez vraiment faire votre méditation réelle. C'était, on peut dire, vraiment la méditation, c'est vraiment la contemplation. Si vous êtes assis, c'est pas vraiment. Vous juste apprenez les instructions et ça, c'est OK. Une partie de vous est en train de méditer, mais ça, c'est pas vraiment une méditation réelle. Vous n'allez pas atteindre les niveaux de shamatha. Vous devez apprendre à contrôler votre esprit. Et on va parler plus de ça après. Et vous avez toutes les habiletés pour le faire. Parce que la méditation, c'est un processus interne. Si vous êtes en train d'écouter les instructions ou si vous écoutez la musique, vous ne pouvez pas vraiment de contrôler tous vos sens. Et la méditation commence quand c'est vraiment un processus interne, quand vous êtes assis sans bouger, quand vous allez juste ne plus écouter les bruits, vous allez à l'intérieur de votre corps. C'est ça où la méditation commence. Vous travaillez sur vos sensations. Et c'est tout. On va voir le week-end prochain. Fermez vos yeux, Dean. Réfléchissez à cette heure
35 minutes, 1 h 35 minutes que vous avez passé pour apprendre comment méditer et aider les autres, étudier ça, planter les graines, toutes les graines que vous avez plantées pour résoudre vos problèmes, vos challenges, devenir une personne plus heureuse et apprendre les autres pour faire de même. Et vous pouvez finir avec trois grandes expirations. La première avec la lumière dorée de votre poitrine qui va vers les personnes que vous aimez, que vous connaissez. La deuxième fois, la lumière, elle va vers tous les êtres vivants sur cette planète. Et la troisième lumière dorée, il va vers tous les êtres vivants dans cet univers, tous les êtres créatures dans cet univers, les êtres sans compter, sans limite. Ouvrez vos yeux. Merci d'être venu. S'il vous plaît, restez avec nous et continuez à étudier avec nous et venez le vendredi. Belle chose passée. Ben, merci beaucoup, Libil. Il dit que c'est pas la bonne langue. Bill a dit qu'il est vraiment très excité et de continuer à faire ça pour le prochain week-end. Et si vous êtes en Chicago, s'il vous plaît, venez nous voir offline. Au revoir. Salut, salut.